Salut à tous, c'est Zéprion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la campagne légendaire. Demain, vous aurez droit à la 5 et à la 6ème. Et samedi, vous aurez droit à la 7ème. Donc la dernière qu'on a actuellement, vu que je tourne mercredi. Et vous aurez bien évidemment le droit à la toute dernière quand le raid sera tombé. Normalement samedi, je suppose, dans l'après-midi ou peut-être dimanche, en fonction si je peux la faire ou pas. Enfin bref, nous verrons bien. Alors, qui est censé jouer les bien, maintenant, nous allons attaquer. Je suppose que là, c'est celle où on va chez Zavala. Elle est vachement cool, cette mission, donc moi, j'aime bien. Et là, comme vous voyez, hein, je suis passé sur Rayon de Soleil Sommet, donc voilà, on commence à prendre des loadouts vraiment sérieux. Pour essayer d'aller un minimum rapidement, et tout ce qui va avec. Comment ça, j'ai pas récupéré de grenades là, avec mes os moments-ci. Comment ça? Bon alors du coup, hier on a fini la campagne sur Twitch et l'avant-dernière mission, parce que c'est pas la dernière, donc celle avant qu'on va taper forcément le témoin dans le raid. Elle est folle, hein. Franchement elle est folle. Là par contre, c'est une vraie, vraie mission que là j'ai adoré. Ce saut est une technologie pyramidale. Les forces du témoin ne doivent pas être loin. Voyons si on peut prendre une longueur d'avance. Touchez pas les... Ah oui, là va y avoir les symboles, etc. Là. Il va y avoir tout ce qui est l'histoire des symboles. Et il y a l'air également d'avoir pas mal de choses après la campagne, chose qui est cool, comparé à Lightfall où il y avait que dalle. Enfin, déjà la campagne était vide. Et en plus de ça, bah, après la campagne c'était vide aussi. Bon, après Lightfall, bon, on va pas revenir là-dessus, hein, la catastrophe était ce DLC. Le pire DLC de l'histoire selon moi. C'est rigolo, c'est tassé absolument tout le monde et puis d'avoir encore une grenade au cas où. C'est incroyable. Que j'ai envie. Témoin. Témoin. Pareille chose que j'ai pas trop mal aimé, le fait qu'on n'ait pas du tout accès à la destination avant d'avoir fini la campagne, avant d'avoir fait une quête annexe. Enfin, je trouve que c'est cool justement, ça permet de pas pouvoir EP comme un gros fou furieux et puis de devoir faire la campagne avec ce qu'on a et pas pouvoir aller EP avec les armes du Carpal, etc. J'aime bien. Zavala doit être notre priorité. Ah. Transmettez la télémétrie. Bon, Nova sur un mob, bon, on a connu plus rentable, bon, Nova. Bon, c'est surtout pour avoir dévoration, ouais. Ok. Donc là, je crois qu'il va y avoir un double symbole après. Franchement, avoir de la stase plus dévoration, c'est nimp. Hein. La doctrine Prisma, c'est quand même vraiment nimp quand tu regardes. Heureusement qu'il n'y a pas tout disponible, vraiment. Déjà, ça tuerait toutes les autres doctrines, et en plus de ça, bah. Ce serait. Mais en fait, tu. Bah, tu serais un chub, littéralement. Tu mélanges restauration x2 avec de la stase et de la dévoration. Wouhou! Incroyable! Mis à part si tu fais one shot. Donc bon. Comme les mécaniques de one shot sont nul à chier sur ce jeu. Donc c'est pas plus mal en vrai. Donc, non, j'aime bien. J'ai déjà un petit build de chasseur entre guillemets qu'en route. On va dire ça comme ça.
Mais ouais, il y a un petit build de chasseur qui devrait, entre guillemets, arriver. C'est sûrement un premier build que je compte faire. Plus comme c'est le premier perso que j'ai épé durant la campagne quand on l'a fait en duo. Donc c'est celui qui est déjà prêt là. Après j'ai pas tous les fragments, tous les aspects, c'est une galère à tout débloquer, j'ai pas, me suis pas trop attardé encore là-dessus. Témoin encore. Moi ils me font des attaques en piqué là. Par contre le raid avec ses races d'ennemis ça va être assez rigolo, je vous le dis. Rigolo dans le sens ça va vraiment être chiant. Les machins ils sont casse-pieds, ils font mal. Ah oui, il y a un gros. J'ai oublié. Ça. Par contre pour l'instant j'ai vu que témoin si je dis pas de bêtises. Ouais. J'en ai pas vu de deuxième. Ça, il est pas gelé. Bah, du coup, on va aller sur témoin. Il me semble qu'il y en avait deux des symboles au bout d'un moment, non? Ah non. Ok, dans mes souvenirs, il y en avait deux, peut-être plus tard. Voyageur a utilisé sa lumière pour terraformer des planètes, pour créer la vie. Alors que le témoin l'utilise pour refaçonner ce monde à sa propre image. C'est chier quand même. Tu continueras à le dire ça à chaque fois, mais vraiment. L'environnement est vraiment très beau. Est-ce que t'as un truc sympa sur moi à mon enterrement? Ça a toujours été un as des éloges funèbres. Non, pas un mot. Sérieux? Il n'était pas là. Il refusait de sortir de son bureau. Ah. Tentative numéro 2! Se faire one shot par des lasers, chi, j'ai pas fait gaffe. Bon, on revient là-dessus, je veux ma dévoration. On va niquer ces bébêtes volantes tout de suite. Oh, c'est une mouche qui fond. Ok. En fait, je me souvenais plus qu'il y avait autant de mobs sur cette phase là. Dans mes souvenirs, il y en avait beaucoup. Enfin, il y a pas grand chose quoi. Finalement, il y en a quand même pas mal des mobs. Hein. Après, la mission, voilà, je les ai fait une fois chacun. Hein. Forcément, j'ai fait qu'un seul perso. Donc, je les connais pas du tout par cœur, mais ouais, il y en a quand même du mob. Un peu plus safe. Oh là là, saloperie. On va y aller comme ça. Sors de toi. C'est bien, je les reste gelé un coup. Ok, encore une minute. Eh, reste un serviteur. Du coup, triangle blanc, je vais l'appeler comme ça. Donc là, il va y avoir plein de mines. Voilà. Je suis mort par ça, ces putains de mines. En fait, j'étais devant une mine et bah, elle m'a pété la gueule. J'avais oublié qu'il y avait ça. Dégager les snipers déjà. Impeccable.
C'est celle-là avec Zach, je crois. J'ai confondu avec celle d'hier ou de ce matin, je sais plus. Je me souviens, enfin, on m'excuserait les parutions de vidéo. Je sais plus ou moins quand ça va être, enfin, je connais les heures, mais je sais plus quand est-ce que je les tourne. Hein. Oh les péteux! Oh les péteux partout. T'es pas mort toi? Il va où lui? Pourquoi il... Non, j'irai pas en télaser. Je les entends derrière eux. Mais il fait quoi lui? Je comprends pas ce qu'il faisait. J'ai plus beaucoup de balles de bateau. Si je me tape le Nézard et que j'ai plus de balles, ça va être rigolo. C'était triangle blanc le premier. Si mes souvenirs sont bons. Ah, on va les faire de l'autre côté. J'ai pas de dévoration, j'ai que dalle. J'ai même pas de faille. Alors, j'ai réussi à remonter un jour, vous inquiétez pas. Voilà. J'ai que dalle, j'ai pas de grenade. Je sais pas ce que j'ai foutu pour avoir aucune compétence de chargé, mais en tout cas, je l'ai fait. Alors, comment j'ai réussi pour avoir une compétence de chargé avec un arcaniste qui spam autant, j'en sais rien, mais j'ai réussi. Ça a vraiment rebondi là. Ça va me toucher. Allez, comme ça. Ils sont tous là. Ça m'a filé la dévoration en plus, impeccable. Ok, ça va être quoi, témoin? Ouais, témoin et triangle blanc. C'est... Ah, il y a des lasers encore partout, j'ai oublié. Je vais faire deux fois les mêmes conneries. Je suis touché comme un débile alors que je sais qu'il y a des lasers. Pas encore, ah si, il y a encore un guignol qui prend partout. Allo, le tracker de la tour de la grenade? Pas fou? Ouais, pas ouf du tout le tracker. Normalement, ça a l'air d'être fini si personne passe. Juste tous les péteux, très important. Ok, ça a l'air d'être bon. Il a mis une lampe par terre, ça c'est chouette. Quoi? Voilà, faudra m'expliquer comment mon sommet lui est passé à travers. Il sort d'où lui? Bon là d'accord, il a sauté, mais la première, ouais. Alors soit c'est moi qui suis vraiment alcoolique, soit là par contre ça fait deux fois que ça passe à travers, je suis peut-être fou hein, je dirais. Et on se fendra peut-être la gueule lorsque au montage finalement non, c'est juste moi qui serai avec, c'est pas visé. Mais j'ai quand même l'impression d'être en plein dedans quoi. Ah putain c'était où que je mets... c'était où qu'on s'était mis là-bas je crois. Je crois qu'on s'était mis là parce qu'il vient pas jusqu'ici. C'est un jeu crois, je ne suis plus sûr du tout. Le problème c'est que c'est un lézard et que c'est pas un tourmenteur classique, donc du coup il est pas suspendable, il est pas... Il a rien de tout ça. Non je m'étais pas... on s'était pas mis là, on s'était mis là-haut. Il me semble que c'était mis là, plutôt. Allo?
Putain, t'es vraiment le pire. Je préfère limite tes potes qui parlent et qui suspendent. Enfin, qui gèlent et qui suspendent plutôt que lui. Et je trouve, il est vraiment horrible. Bon. Alors, du coup, c'était les deux là-haut. Voilà. Je crois qu'après, on va arriver chez Zavalar, hein, il me semble. Il me semble. On va récupérer quoi? Ah, c'est le nouveau, c'est le nouvel aspect. Ah, mais je retire quoi? Acheter votre compétence de classe pour invoquer un martyr. Ouais, ok, mais je retire quoi? Dévoration et du gel. On va pas se mentir, le nouvel aspect va rester tranquille pour l'instant. Je vais pas vous mentir que là, je vais rester, parce que je pense que ça, c'est clairement les deux plus forts, comparé au petit truc de... qui met une bouboule, là. Je pense que ça, c'est vraiment le plus fort, là. Le gel et la dévoration en même temps. C'est le tombeau de Kate qu'on voyait là avec la, la croix des chasseurs. Quand l'espèce de porte avec les mains comme ça, ouais. On se connaissait pas le nom de Zavala avant, et d'accord. Ça c'est ouf, quoi. Nari dans sa maison et tout, enfin, avec les témoins qui sont dessus. Je sais pas, par contre, il vit dans un coin paumé, le gars. Têtu pour baisser les bras. Les déchus ne souilleront pas le souvenir de ma famille. Gardien, honorez-les avec moi. Défendez ma maison. Par contre, ça c'est vraiment une blague. C'est quoi ta mini barricade, mon pote? On en avait parlé avec, avec Harold quand on a fait la campagne. C'est quoi sa mini barricade? Lui, ça a vraiment rien de A à Z. Hein. Ah, cosmatique. Ouais, il a flaque à côté de lui, forcément. J'ai pas de dévot. Ça c'est chiant. On va faire ça, ça va taper les serviteurs en même temps. Hein? Non. Ça va rien taper du tout. Et je vais me faire foutre. Terrifiant. Si t'es plus au moment où je balance mon over, ça fait un moment que je voulais la lancer. J'hésitais, j'étais là, je la lance pas, ben voilà. Si seulement leur scaphandre en vrai peut se péter aussi vite en temps normal. On va avoir rapidement leur critique.
crois que niveau péteux ça a l'air d'être bon, sans l'avoir tué. Ah oui. C'est vrai, toi je m'en souviens. Ça tape dans l'arbre, t'as raison. Ah, mange ça. T'as raison, sois con, c'est très bien, moi ça me va. Bon, à nous deux, toi. Il y a de la stas partout, faire gaffe. En même temps, il y a le guignol là. Ça, c'est logique, on a eu un fioc sur avant, on se tape un stas maintenant. J'ai envie de mourir, j'ai loupé comme un guignol. Bon, je crois qu'il est vénère. Je me casse. C'est con pour un guerrier de la sauce se faire geler. Dégage. Tiens, mange ça tout là-haut. Et merde. T'as été trop utile, frérot. Toujours plus. Gardien. Merci. Juste. Seconde. Je dois dire au revoir. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour que tu reviennes. Mais quand le témoin m'a offert l'éternité ici avec toi, avec notre fils, je sais que tu comprends pourquoi j'ai refusé. Certaines personnes ont encore besoin de moi. Bientôt. Safi. Je suis désolé. Commandant. C'est un mensonge. Le témoin nous montre ce qu'il pense qu'on veut voir. Et que m'a montré le voyageur? On devrait y aller. Thank you.
Je ne sais pas comment c'est possible. Mais... Ouais. Ah. Moi aussi, mon vieux. Ah. Moi aussi. Et je croyais qu'on l'avait perdue avec son vaisseau. Mais elle est plus coriace. Elle a lutté. Elle a... La perte d'Amanda a été aussi douloureuse que la tienne. Je ne veux plus enterrer mes amis. Mais la vie s'arrête forcément quelque part. Je veux dire... J'étais... parti... enterré... en paix, et maintenant... Je suis là. À ouvrir de vieilles plaies pour y jeter du sel. Tôt ou tard... Il faut bien lâcher prise. On peut dire ce qu'on veut quand même à chaque fois avec Zavala et sa femme, c'est toujours quelque chose. Cade, il a complètement changé. Enfin bref, ça fait toujours quelque chose en vrai, on peut pas dire le contraire. Mais en tout cas, cet épisode est terminé, donc on se retrouvera demain pour la mission 5 et encore demain à 17h pour la mission 6. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Zeprion. Allez, ciao!